Regarde ça. Ouais, on ira plus vite en passant par là. Waouh. Quoi? Rien, c'est juste que... j'ai encore jamais vu un truc pareil, c'est tout. Quoi, la forêt? Ouais. J'ai jamais marché en forêt. C'est plutôt cool. Pourquoi tu me ramènes pas à Marlène? Si elle pouvait s'occuper de toi, elle nous aurait rien demandé. Peut-être qu'elle va mieux maintenant. Écoute, je voudrais surtout pas te faire de peine, mais ton amie n'avait pas de grande chance de s'en tirer. Elle est plus solide qu'elle en a l'air. Peu importe. De toute façon, je doute qu'on puisse retourner en ville en un seul morceau. Tu peux me croire, je voudrais bien avoir une autre solution. Eh merde. Tu veux qu'on grimpe? Non, il y a un fil barbelé en haut. Faut qu'on trouve un moyen de contourner. Regarde! C'est toi, Bill. Vous vous retrouvez où d'habitude? Hein? Ça dépend. T'es jamais venu ici, non? Je sais que c'est ici qu'il habite, mais... non, personnellement, j'étais encore jamais venu. Et cette fumée, tu crois que c'est lui? Il y a plutôt intérêt. Bon, on n'a qu'à aller vérifier, alors. Allez, on y va. Par ici. Regarde où tu vas, la chute est raide. Donne-moi une seconde. Tu te sens bien? J'essaie d'apprendre à siffler. Tu ne sais pas siffler. Est-ce que j'ai l'air de savoir siffler? Par ici. C'est bloqué de l'autre côté. Allez, fais-moi monter. Non, c'est pas une bonne idée. Je peux pas te faire la courte échelle. Comment tu veux ouvrir, sinon?
Ok. Donne ton pied. Contente-toi d'ouvrir, rien de plus. Ça marche. Attention. Ok. Ah, voyons. Ok. Tadam. Bien joué. Merci. Bon, disons que ton pote nous file une voiture. Et après ? Eh ben, après on ira retrouver Tommy. Marlène dit que c'est ton frère ? Surtout, il faisait partie des Lucioles. Il saura nous dire où t'emmener. Ok. Il vit loin d'ici, c'est pour ça qu'il nous faut une voiture. Hé, hey, regarde ! Des nains ! Ouais. C'est des nains. J'avais un bouquin avec plein de nains en dessin. Je les ai toujours trouvés trop mignons. Par contre, j'aime pas les fées. Elles me filent les jetons. Ouais, d'accord. Regardez-moi ça. T'as déjà joué à ça ? Non. Mais je connaissais quelqu'un qui était fan de ce jeu. Apparemment, il y a un personnage qui s'appelle Angel Knives qui... C'était quoi déjà ? Elle te transperce l'estomac du poing et après elle t'arrache la tête. Ah, j'ai jamais vraiment accroché à ce genre de truc. J'aimerais bien y jouer. Ah, c'est triste quand même. Quoi ? Les yeux qui croupissent ici. Il n'y a plus personne pour l'écouter. Je sais pas, c'est tellement dommage. Je... Wow. Attends, mais qu'est-ce que c'était ça ? Ça, c'était un des pièges tendus par Bill. Dis, il est pas un peu parano, ton pote ? Ah, t'imagines pas à quel point. Qui c'est ce type au juste ? En fait, il nous a aidés à introduire des trucs en ville, disant qu'il est capable de trouver n'importe quoi. Eh ben, espérons qu'on finira pas en miettes en cherchant. Regarde bien où tu marches et ça ira. Hey, regarde ça. Donne-le-moi. Je suis assez douée pour le tir à l'arc. Je préfère m'occuper de ce genre de choses. Si chacun avait une arme, on pourrait se couvrir l'un l'autre. Je préfère pas. Tiens, on n'a qu'à se servir de ça. La voie est libre, monte. J'arrive.
Bon, écoute. Bill, c'est plutôt... le genre de gars instable, tu vois. Alors, une fois là-bas, laisse-moi lui parler. Compris ? Compris. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il a un peu de mal avec les étrangers. D'accord. Tu vois ce fil barbelé ? Reste en dessous, ok ? Garde la tête baissée, tout ira bien. Ça marche. T'as entendu ? Ouais. Merde, tu vas y aller ? Je veux voir ce qu'on peut trouver. Tu trouveras mon cadavre quand je serai mort d'une crise cardiaque. T'inquiète pas. Je m'en occupe. Oh merde! Bordel! Ce truc m'a foutu la trouille de ma vie! Bon, pendant qu'on est là, on devrait fouiller cet endroit. Tu crois qu'ils se sont retrouvés? Comment je pourrais le savoir? En tout cas, j'aimerais bien. Viens, fichons le camp d'ici. Oh, merde. Ces trucs sont plutôt cool. Chacun ses méthodes. Allez. T'éloigne pas. Oh merde ! Putain ! Je te tiens. Putain, Bill ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est encore un des pièges à la con de Bill. Là, le frigo. J'ai l'impression qu'il fait contrepoids. Ok. Coupe la corde pour me faire descendre. Ça marche. Ça va ? Ouais ! Tu vas y arriver ! Voilà ! Merci ! Fais chier ! J'y arrive pas ! Allez, dépêche-toi !
Merci d'avoir joué les héros. Ellie. Qu'est-ce que... Joël ! Bill ! Qu'est-ce que vous faites ? Bill ! Détachez-moi ! Tourne-toi et mets-toi, Joe ! Attends, calme-toi un peu. Tourne-toi et mets-toi, Joe ! Fais pas le malin ! Ok, t'énerve pas. Effet mordre ? Non. Des excroissances ? Non, putain, j'ai rien. Si je vois le moindre tremblement... Ah ! Arrête, sale petite garce ! T'as fini? Si j'ai fini? Vous débarquez chez moi? Vous déclenchez mes pièges? Elle manque de me péter le bras avec lequel je tire? Et c'est qui cette petite pastille? Qu'est-ce qu'elle fout ici? Ce que je fous ici vous regarde pas. On est là parce que vous avez des dettes envers lui. Commencez par m'enlever ces menottes! J'ai des dettes envers Joël. Non mais tu plaisantes. Je vais aller droit au but. Il me faut une caisse. Eh ben, super la blague. Joël veut une caisse. Dis... Si j'en avais une qui marche, qui est loin d'être le cas, qu'est-ce qui te fait croire que je te la filerais? Hein? Bah oui, bien sûr, te gêne pas, prends ma caisse. Prends ma bouffe aussi pendant que tu y es. D'après ce que je vois, vous avez un peu trop de bouffe. Écoute-moi, sale petite conne. Non, je vous emmerde, vous m'avez attaché... Je veux que tu fermes ta gueule. Ok. Je sais pas à quelle dette tu penses, mais elles valent pas autant. Alors là, Bill, détrompe-toi. De toute façon, j'ai pas de voiture qui marche. Mais il y en a une dans cette ville. Des pièces. Dans cette ville, il y a des pièces. Ça veut dire que tu peux m'en réparer une. D'accord. Mais pour faire ça, je vais avoir besoin de matériel. Ok. Il est de l'autre côté de la ville. Tu vas m'aider à le récupérer. Et peut-être que je pourrais t'assembler un truc convenable. Mais après ça, on sera quitte. Ça me va. Dans quelques jours, on sera sûrement mort de toute façon. Bien. Suivez-moi. Toute cette ville est bourrée de pièges. Alors collez-moi au cul. On peut pas le louper. Ferme-la. Bon. Je vous conseille d'emporter tout ce qui vous paraît utile. Tout de suite. Je te remercie.
Ellie, regarde s'il y a des trucs utiles dans le coin. Ça marche. T'as tout ce qu'il te faut? C'est bon. Viens, on y va. Fermez bien la porte, surtout. Je m'en occupe. Il faut qu'on atteigne l'autre bâtiment. On monte, allez! Surtout, ne t'éloigne pas. Mais dans quoi tu t'es encore fourré, Bill? T'aurais dû les laisser se débrouiller tout seul, là-bas. Tu rigolais pas en parlant de lui. Ouais, y en a pas deux comme lui. Alors dans quel pétrin tu t'es fourré? Et où est passé Tess? C'est juste un boulot, une livraison. C'est quoi le colis? Cette gamine? Ha ha, je vous emmerde. J'espère que tu sais ce que tu fais au moins. Non mais c'est quoi ce type? Alors on va où, Bill? Mon autre plan. Plutôt un gendarmerie. Attendez, je croyais qu'on réparait une voiture. Bon, tu sais réparer une... Bill, laisse-la. Je te l'ai dit, j'ai besoin d'un truc qui est à l'opposé de la ville. Maintenant, je vais jamais l'aider. Ça a trop bien fêté. Donc, il nous faut plus d'armes. Il y en a un à l'intérieur. Oh, j'avais prévu de nettoyer ça. Relax, c'est rien. Au fait, tu m'as pas répondu pour Tess. Je croyais que vous étiez inséparables tous les deux. Elle est occupée. Ouais, c'est ça, occupée. J'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz. Ouais, un truc comme ça. Allez, on y va. Vous réparez pas l'une de ces voitures. Ma parole, t'es un petit génie, toi. Dire que pendant tout ce temps, j'ai jamais eu l'idée d'en réparer une. Ok, arrêtez vos conneries. Les pneus sont pourris et les batteries sont HS. Vous avez fini? Je me demande à quoi ressemble l'intérieur d'un bloc moteur. Seule l'armée fabrique des batteries de bagnole neuve. Bordel! Affectez! Oh, merde! Tiens-toi prêt! Bon. Il faudra que tu vérifies les barricades. Voilà ce qui arrive quand on fait pas gaffe aux petits détails. Tu sais ce qui t'attend? Faudra récupérer le matos dans l'entrepôt et l'emmener jusqu'à la barrière, encore. Ça va te prendre. Bill? Joël? Par là. Allez, on monte. T'aurais
pu choisir un autre endroit où crécher. Ces trucs sont horribles, mais au moins ils sont prévisibles. C'est normal qu'ils me foutent les jetons. T'es bien placé pour comprendre ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Rien. Tu crois que cette porte va les retenir? Ils n'ont pas la clé, voici. Bon, c'est par où? On y est. C'est au sous-sol. Toi, tu touches à rien. Tu peux fermer la porte? Il faut s'équiper. Non, non. Quoi? J'ai besoin d'une arme. Non, je crois pas. Joël, je peux me défendre toute seule. Non. Écoute, reste là. Ok. J'ai qu'à me tourner les pouces en attendant de me faire tuer. Alors là, c'est de loin le boulot le plus merdique que t'aies jamais accepté. Il est pas mal. Me dis pas que Tess est d'accord avec cette mission suicide. En fait, c'est son idée. Vraiment? Je pensais que cette gonzesse était plus maligne que ça. Enfin, on s'en fout. Sérieusement, tu dois ramener cette gamine où tu l'as trouvée. Bill, je peux pas la ramener comme ça. Alors dis-lui de se casser et de se démerder. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps... Je me suis pas mal attaché à quelqu'un. C'était un partenaire. Quelqu'un que je devais protéger. Mais dans ce monde, ce genre de conneries n'apporte qu'une chose. Se faire buter. Alors tu sais ce que j'ai fait? J'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de rester tout seul. Bill, c'est pas ça, c'est... Mon cul. C'est exactement comme ça. Hey! Qu'est-ce que je t'ai dit en descendant les marches? Je t'ai dit quoi? Je range juste votre pile à la con. Tu touches à rien. Eh merde. Continue à jouer les babysitters et tout ça va finir par te péter Bill, à la gueule. Est-ce qu'on peut juste en finir avec ça? Tiens. On va en finir avec ça.